So welcome to all to this side event for the UN Ocean Conference. I'm Domenico Vito from Social Forum, and here with us there is my colleague Charles Barougon from ONG Africa Esperance, that is one of the promoters of this initiative. I give the floor to Charles to introduce the session, and then to give the floor to our amazing speakers. So Charles, to you. Good afternoon, all distinguished experts, dear colleagues. It is my pleasure to be with you again after our sad event through COP15 UNCCD. I would like to congratulate all of you, to say thank you to my colleague Vinto Domenico from Climate Social Forum Italia, and we don't forget the third partners B1 from Israel. So this is my pleasure, as I'm telling, to be with you. This is our sad event according to the United Nations Ocean Conference, who is held in Lisbon. So let me salute our colleagues in French. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, chers amis, chers collègues de la société civile, chers experts, distingués invités. Cela fait pratiquement un mois jour pour jour que nous avions ensemble avec vous et certains autres experts, nous avions convoqué à un événement pareil lors de la COP15 qui s'est déroulée à Abidjan, où nous avions discuté des questions relevant de la protection des forêts, les plus gros poumons forestiers, de la planète. Et puisque nous parlions de la désertification, nous parlions de l'importance des forêts dans l'absorption des émissions de gaz carbonique. Et ce fut des moments véritables de partage. Et je pense que cette séance que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui nous permettra aussi de recueillir beaucoup d'informations, d'apprendre beaucoup de nos experts. Je voudrais saluer au passage tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui nous feront l'aimable attention de se joindre à nous. Je salue au passage M. Momar Sow, qui est directeur du projet d'appui à la politique d'air protégé au Sénégal, de la conservation et de la mise en œuvre durable des mangroves en Casamance et de la Sibé Saloum. C'est un expert, c'est un sachant en matière. Il est notre invité spécial. C'est lui qui va nous dire tout ce qu'il a pu engranger comme expérience en matière de protection, de conservation des mangroves qui sont de la biodiversité. Et je ne vais pas me permettre de lui emboîter le pas de tout ce qu'il connaît. Mais je voudrais rappeler au passage que, comme nous l'avions dit à notre réunion de la dernière fois, et comme l'ont dit les scientifiques, la capacité de nos forêts à pouvoir absorber les gaz carboniques qui dégagent tout ce que vous savez, les industries et autres, nous permettant de ne pas détruire la couche d'ozone, est vraiment un challenge pour nous. Comment faire pour garder intactes ces forêts et pourquoi pas en replanter pour que nous puissions avoir assez de couvert végétal. Aujourd'hui, plutôt, il s'agit de la biodiversité, des mangroves. Et quand nous prenons toute la côte ouest africaine, depuis Lagos, en partant Cotonou, en passant par Abidjan et jusqu'à Dakar, jusqu'en Mauritanie, nous avons des mangroves partout. Et même à l'intérieur des pays de l'Interland. Alors, c'est quoi ces mangroves? Quelles sont leurs spécificités? C'est quoi? Qu'est-ce que les mangroves représentent pour la nature? Pourquoi faudrait-il les conserver?
Et le constat, il est amer parce qu'il faut qu'on plante le décor. L'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces populations riveraines qui sont autour de ces espèces, de cette beauté, cet écosystème que la nature nous a donné, elles les coupent parfois pour faire de la cuisson parce qu'elles n'ont pas d'autres sources d'énergie. Et en plein, puisque nous sommes en plein dans l'ère du changement climatique, comment faire pour que nous aménagions nos ressources afin de pouvoir augmenter notre résilience aux effets du changement climatique. Et donc, je plante le décor pour dire qu'il nous reviendra aujourd'hui de parler de la convention de Ramsar, qui est une convention qui a été adoptée à Ramsar, qui est une ville iranienne, où tout ce qu'il fallait mettre en place comme traité ou comme grand texte pour pouvoir éliminer tout ce qui allait en encontre des espèces protégées, des zones humides. Et donc, je voudrais m'arrêter là pour ne pas emboîter le pas aux experts qui vont prendre la parole. Donc, Vinto, could you translate just my introduction before give the floor to our first expert, please? Yeah, I will be very, very brief. Just thank you very much to Charles for introducing the session. Actually, Charles was mentioning the importance of mangrove and mangrove space, that is the topic of today, where we invited the relevant speaker to talk about. Mangrove is important also to the ecosystem and to the life of communities, and also for our persistence on Earth also, and to manage the equilibrium of the ecosystem. The talk of Charles was an introductory talk to the role of mangrove. And I just finished that. I was saying that I'm very glad also to be part of this initiative. Also thanking the third partner, that is the B1 community from Israel. And with that, I give the floor to the first speaker of today. Thank you, my dear Domenico. I would like to present also our second expert, Nyanga Enoch, who is the Director General of Society Biogas. This is our expert in the alternative resources, in the energy resources, is online. I mean, et donc je disais, pour te permettre de gagner du temps, nous avons en ligne aussi notre second expert, Nyanga Enoch, qui est là, qui est notre expert en matière de tout ce qui concerne le biogaz. Donc, sans plus tarder, nous donnons la parole à notre premier expert, M. Momasso, qui est le coordonnateur du projet d'appui à la politique d'air protégée au Sénégal. Monsieur So, vous avez le micro. Bonjour tout le monde, bonjour Charles. Allô? Allô? On vous entend bien. On vous entend. Voilà, allez-y, on vous entend. Voilà. Donc, juste pour préciser, comme je te disais, je suis en mission un peu sur le terrain, sur les îles du Saloum, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal. Donc, ma connexion va et vient un peu, quoi. Donc, chaque fois, ça va peut-être redémarrer. Donc, je vais demander à chacun d'être un peu patient et tolérant avec moi. Voilà. Ça va aller. Voilà. Donc, Charles, pour aller très vite, je crois que lorsque tu as partagé un peu cette thématique avec nous, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est de montrer un peu l'importance de la mangrove et d'insister quelque part sur les initiatives de restauration. Donc, je vais parler juste de l'importance, quelques tendances sur la mangrove, dire aussi quelques mots sur le projet qu'on est en train de conduire ici au Sénégal depuis bientôt 3 ans, et lancer aussi des perspectives et quelques éléments de discussion. Alors, vous savez que à l'échelle de la planète, les mangroves représentent 1% de la superficie des forêts tropicales.
Alors, donc, c'est des écosystèmes qui se développent au niveau des estuaires. L'étude qui avait été faite en 2011 montre un peu ce potentiel de capture de carbone qui est 3 à 5 fois supérieur à celui des forêts. Figurez-vous que chaque année, les forêts de mangrove sur le plan mondial peuvent absorber jusqu'à 13,5 gigatonnes de CO2. Donc, ça fait presque 14% de la séquestration océanique. Il faut dire aussi que ce n'est pas seulement la végétation de mangrove, mais elle stocke aussi du carbone dans le sol en termes de matière sèche. L'étude qui a été faite en Indonésie sur les mangroves montre que près de 1023 tonnes de CO2 par hectare sont stockés par le sol de mangrove. Un avantage aussi de taille, c'est que le carbone piégé dans les sédiments océaniques peuvent être stockés pendant plusieurs siècles ou voire même plusieurs millénaires. Donc, toujours pour illustration, je terminerai par deux chiffres. Le premier, c'est l'étude qui est parue en 2018 sur la déforestation des mangroves entre 2000 et 2012, et qui a ainsi contribué à émettre près de 317 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et le deuxième chiffre, c'est que les mangroves abritent près de 3 000 espèces de poissons et contribuent au maintien de la biodiversité tropicale. Donc ça nous permet de camper un peu l'importance de la mangrove et son rôle un peu d'équilibre par rapport à la séquestration de carbone qui amoindrit l'effet de serre. Si on vient sur les tendances sur la mangrove en Afrique et un peu au Sénégal, vous verrez que la mangrove couvre, selon certaines estimations, une superficie d'environ 3,2 millions d'hectares, ce qui représente 19% de la superficie totale de mangrove de la planète. Donc ça, c'est en Afrique. Et sur le littoral atlantique africain, comme tu le disais tout de suite, Charles, de la Mauritanie à l'Angola, on a près de 1,9 million d'hectares, soit 63% des mangroves de la planète. Si on vient au Sénégal, qui est un peu notre spécificité dans le cadre de ce projet, la superficie couverte est à peu près de 1 300 km². Et elle est vraiment en déclin par rapport aux années 80, où les études de Corcoran et Hall en 2007 avaient estimé les superficies de mangroves au Sénégal à 1 680 km². Et vous verrez, il y a deux zones sur lesquelles notre projet Monsieur, s'intéresse, monsieur, parce que c'est là-bas monsieur où on Robin, a les plus monsieur, grandes monsieur Robin, formations de forêts de mangroves. monsieur En Robin, monsieur, Casamance, qui monsieur Robin, est monsieur beaucoup Robin, plus célèbre, que les gens connaissent monsieur plus, Robin, monsieur on a. Robin, Oui. vous permettez que ce que vous dites est tellement, tellement intéressant, tellement intéressant. Vous permettez que notre traducteur le fasse pour ne pas qu'il perde le fil des informations qualitatives que vous donnez. Vous permettez qu'il fasse Oui, vite que, j'avais oublié. parce qu'on n'a pas un système de traduction simultanée. C'est tellement important tout ce que vous dites. Donc, gardez votre niveau de comment on appelle de tout ce que vous dites, le temps qu'il D'accord. transmette et qu'il transmet. Please, Vinto, could you translate, please? Now let's get finish the speaker. No worries, and we make the translation. So let's continue on the speaker. Ok. Et donc, il demande à ce que vous continuez, vous finissez votre traduction. Voilà, d'accord. Parce que je voulais aussi partager la présentation avec lui. Comme ça, il pourrait en faire une version soft en anglais pour peut-être ceux qui participent, quoi. Je ne sais pas. Après, si tu as, je peux t'envoyer ça par WhatsApp et tu pourras lui. Monsieur, si vous voulez, nous pouvons poser la présentation. Sorry. If you want, we can give the presentation on the screen during your speech, if you want. Oui, OK. OK. C'est que j'ai essayé de mettre la présentation, mais vous n'avez pas activé le format Oui, de. je le pouvais. Oui. Voilà, d'accord. Maintenant, c'est bon. OK. C'est venu. Attendez. Voilà, maintenant, c'est bon.
C'est bon, tout le monde voit maintenant la présentation. Oh, oui, ça marche. Voilà, ça marche. Donc, j'étais sur les statistiques ici au Sénégal. D'accord. Oui. J'étais sur les statistiques ici au Sénégal. Donc, pour dire que en Casamance, vous voyez, vers les années 80, on était à 150 000 hectares au début des années 80. Actuellement, on en est à 83 000 hectares. D'accord? L'autre zone, c'est au Saloum. La dernière thèse qui a été soutenue par Dr. So en 2019 montre cette tendance régressive. Donc, on était à 55 000 hectares en 1965. Actuellement, on est à 53 000 hectares en 2017. Et ça, c'est dû un peu aux efforts de restauration et de reboisement qui ont été faits. C'est ça qui a permis de ralentir la dégradation. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a un taux de recul qui est d'à peine 4%. Donc, pour revenir sur le projet qui se veut une réponse par rapport à cette dégradation de la mangrove, c'est un projet qui est entre deux côtes. Donc, une composante sur l'amélioration du cadre de gestion, donc des aires marines protégées et du littoral des zones de mangrove, et une composante 2 qui se veut un peu un soutien aux communautés par la valorisation du capital naturel qui serait préservé via les aires marines protégées. Donc, vous verrez que sur la composante 1, il y a un objectif spécifique sur l'amélioration du cadre juridique et un autre objectif spécifique sur l'amélioration de l'efficacité de gestion. Sur la composante 2, on a un objectif de favoriser le développement d'activités socio-économiques, mais en visant la résilience des écosystèmes, d'une part, par des actions de reboisement, de mise en défense, de facilitation de l'hydrologie, de la circulation des eaux, et l'appui aux initiatives de valorisation du capital durable. D'ailleurs, aujourd'hui, vous m'avez trouvé en pleine mission pour faire un peu ces business plans afin de mettre en marché les activités génératrices de revenus qu'on doit mettre pour les femmes ici sur les îles du Saloum. Alors, au fil des résultats, je vais juste insister sur certains aspects qui sont un peu plus en lien avec le thème qui nous réunit. Ça, c'est les aspects d'évaluation de l'efficacité de gestion de certaines aires marines protégées, parce que c'est des aires marines protégées qui ont en leur sein des massifs de mangroves. Ne faites pas attention aux noms qui sont compliqués. Alors, on le fait avec deux outils. L'un des outils qui s'appelle Integrated Methodology for Effectiveness Tool, Management Effectiveness Tool, qui est le IMEP, qui est en train d'être promu et valorisé par l'UICN. Et l'autre outil, qui est ce qu'on appelle la rose des vents, qui permet une comparabilité entre des aires marines protégées. L'autre chose aussi qui est assez important à savoir et qui est un peu en lien avec ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'on fait aussi un appui pour l'Observatoire national de gestion intégrée du littoral au Sénégal, où nous, on finance des campagnes de collecte de données morphologiques qui nous permettent de voir l'avancée de la dynamique sur le trait de côte. Et ça nous permet de savoir là où on est en train de perdre un peu du littoral et dedans aussi de la mangrove. L'autre information que je voulais aussi partager et qui est importante à mon niveau, c'est cette affaire de mécanisme de financement durable via les crédits carbone. Nous sommes en train de commettre, on a déjà sélectionné un consortium de cabinet qui doivent débuter une étude au mois de juillet pour voir le potentiel de reboisement de mangroves qui existe au Sénégal et voir sur le marché international les crédits de carbone, en fait le carbone qui peut être séquestré et qui peut être mis sur le marché. Voilà, c'est quelques informations. Bon, il y en a d'autres qui concernent un peu
les aspects de communication, les aspects de sensibilisation avec les radios communautaires, la conduite de programmes d'éducation environnementale et aussi la célébration d'une journée internationale qui est très méconnue, le 26 juillet, qui est la journée internationale de la mangrove. En plus de panels comme celui-ci, et aussi sur les aspects de changement climatique pour la COP qui va se passer en Égypte en novembre prochain. Voilà, donc les autres aspects concernent les réunions des comités de gestion au niveau des aires marines protégées. Et une dernière chose, c'est les rencontres scientifiques où on fait aussi la promotion de collaboration avec les universités qui sont au niveau de ces régions, donc au niveau du Sine Saloum et au niveau de la Casamance. Surtout avec le rôle des AMP de la mangrove dans la conservation de la biodiversité marine côtière et surtout leur importance en tant qu'outil d'adaptation, de résilience et d'atténuation face au changement climatique. Je ne voudrais pas être très long. Bon, ça, c'est les activités génératrices de revenus. Voilà, donc c'est juste une liste. Vous aurez ça sur les présentations. Quelques reboisements qu'on a eu à faire. Et les espaces de concertation, plus les foyers améliorés qu'on met. Et aussi les dimensionnements pour améliorer un peu l'hydrologie au niveau des zones de mangrove. Je voudrais terminer, Charles, avec votre permission, juste sur ces recommandations qui peuvent faire l'objet de discussions. Nous avions vu que après un peu ce round-up de quelques informations et des tendances sur le projet, qu'il faudrait, en plus des reboisements de mangrove, introduire des pratiques agroforestières et sylvicoles qui peuvent cibler des espèces ligneuses qui sont résilientes à la salinité. La deuxième chose, c'est d'impliquer davantage les populations dans la gestion des ressources naturelles. Aussi, envisager une gestion participative, une gestion partagée des ressources de mangrove au niveau sous-régional. C'est là où il y a un lien évident avec ton introduction. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a un protocole additif à la Convention d'Abidjan qui concerne les forêts de la gestion transfrontière des forêts de mangrove. Et je crois que votre ONG pourrait valablement s'inscrire dans la mise en œuvre de ce protocole. Et la dernière action, c'est les aspects de recherche. Donc, en recherche fondamentale et en recherche action. La recherche fondamentale pourrait permettre de répondre sur la dynamique des écosystèmes et la recherche action d'identifier et d'accompagner les projets de développement en zone de mangrove, particulièrement au cours des phases pilotes. Voilà, Charles, j'ai été un peu long, mais je voulais en même temps camper le débat sur l'importance de la mangrove, montrer quelques tendances en Afrique, venir au Sénégal et parler aussi de notre initiative de gestion et de conservation de cet écosystème. Et voilà, maintenant je vous laisse ces réflexions pour la suite des débats. Et merci de votre attention, de votre passion. Oui. Merci. Monsieur Mouma, merci beaucoup pour vraiment les propos très enrichissants et très qualitatifs dont vous avez nourri. Mr. Vinto, you have the floor for the translation, please. Yeah, thank you very much. Thank you for the speaker and Mr. Mouvar for the explanation. As you have seen also from the slide, Mr. Mouvar has explained different methodology to preserve the mangroves ecosystem with different strategies and also measuring the percentage of preservation of the mangrove ecosystem and like considering also different ways in order to like maintain the system equilibrium and also the role or importance also for the Butte Marina land ecosystem. So basically was the intervention focused on the techniques on preservation of mangroves environment. And thank you for the speaker for the amazing presentation and give the floor back to Charles for continuing. Thank you, Vinto, for your the translation. Je pense que on n'a pas regretté de
d'avoir l'expertise avérée de M. Momar, qui est sénégalais et qui, je pense, hein, a son actif plusieurs années dans, je crois, les domaines d'expertise en matière de mangroves, ayant travaillé déjà avec plusieurs partenaires, dont l'Agence frontière de développement, et certainement avec plusieurs agences onusiennes qui s'occupent des questions de biodiversité et liées forcément au changement climatique. Monsieur Moma, merci pour les éléments importants, mais j'ai retenu quelques éléments très importants. De l'Angola jusqu'en Mauritanie, de toute notre côte, la quantité, j'allais dire, sur le plan superficie de mangroves que nous avons, mais un élément spécifique a été vraiment très important, la capacité d'absorption des mangroves du COD et le fait qu'elles puissent capter ou bien engranger les gaz carboniques sous la terre pendant des années. Ça, c'est déjà très important. En fait, on les voit, les mangroves, mais on n'avait pas autant d'informations sur le fait qu'elles étaient aussi importantes pour nous. Et c'est à cela que vient à juste propos notre thématique quand nous disons qu'il faut ces femmes, ces riverains qui sont autour des mangroves, elles ne savent pas de quoi il s'agit. On les détruit pour faire de la consommation, de la production, alors que c'est des éléments vraiment importants pour nous aujourd'hui. Et donc, je voulais revenir en arrière lorsque nous faisions notre premier débat en marge de la COP15 sur la désertification. Nous avions choisi en ce moment les deux poumons forestiers du monde entier, l'Amazonie et le bassin du Congo. Et ce jour, nous disions que c'était les forêts qui étaient peut-être pour nous néophytes en ce moment, qui pouvaient nous permettre d'absorber autant de gaz carbonique. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir, au travers de tout ce que vous êtes en train de dire, que les mangroves aussi constituent de véritables poumons. Et c'est vrai que nous sommes des néophytes, mais nous le savons aujourd'hui, et certainement que cette vidéo qui est en train d'être enregistrée sera divulguée et sera envoyée à qui de droit au niveau de, comment on appelle, du secrétariat, de la conférence des Nations Unies qui est en train d'organiser l'événement. Parce qu'il faut rappeler que ce SAD Event a été validé et scrupuleusement validé, analysé par le secrétariat qui organise la réunion onusienne sur les océans. Donc, pour vous laisser respirer un peu, nous avons aussi M. Azizé, qui est le directeur de la protection de la nature du ministère des Forêts, de l'Environnement et du Changement et de, certainement du Développement Durable du Gabon. Et Monsieur Azizé, soyez les bienvenus. Vous avez été l'un de nos meilleurs experts la dernière fois lorsqu'on était à la COP15. Et je vous sais déjà en ligne et vous avez écouté de manière religieuse tous ces propos vraiment intéressants qui ont été dits. Mais vous, en tant que technicien, c'est vous en tant que... Étant aussi sachant la matière, parce que étant directeur de la protection de la nature, les mangroves, c'est aussi votre dada, comme on le dit en guillemets ici en Côte d'Ivoire, c'est votre chose à vous. Alors, au-delà de ce qui a été dit par l'expert sénégalais, est-ce que vous avez des éléments d'appréciation, des choses qu'on n'a pas entendues, que vous puissiez nous dire de ce qui concerne les mangroves, qu'est-ce que leur opportunité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus encore des mangroves? Monsieur Azizé, vous avez le micro. Monsieur Azizé, avec nous? Allô? Monsieur Azizé, avec nous? Bon, c'est tellement qu'il va nous rejoindre. I seem he connected. I don't know if he has some problem with connection. Yeah. So actually for Impact Farm, we are translating gradually, so you will okay. follow the English part after the French part. So just to respond to the question in the chat. Okay. In the meanwhile, that Mr. Roger Azizé can be ready. Yeah. I don't know. Maybe he has some problems of connection, Charles. You can message him. He's online. He's online. Is he here? Yeah. Okay. So, before
before have him, you can take another expert because you have we have Mr. Nyanga Enoch. Et avant que nous ne passions à Enoch, j'avais bien voulu qu'au-delà des informations que nous avions eues de monsieur Sow, que nous avions aussi, comment on appelle, l'expertise de monsieur Azizé du Gabon. Mais de toute façon, ce n'est que Patrick Bézi, il va se rejoindre à nous puisqu'il est même là. Et donc, l'objectif de notre side event, c'est quoi? C'est de tout ce que nous avons entendu d'intéressant, tout ce que nous avons entendu de l'importance des mangroves, de leur préservation, surtout de leur préservation. Et il se fait, tel que je l'ai dit en mention introductive, tel que aussi a dit l'espèce sénégalaise, que ces espèces les plus importantes sont en destruction. Or, il nous faut les conserver, il nous faut les restaurer. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ces populations riviériennes qui les détruisent puissent ne pas les détruire, mais comment faire pour les trouver une autre forme d'énergie afin de ne plus les détruire? Ah, donc, je vais passer le micro à M. Nyanga qui est notre expert en matière d'énergie verte. Lui-même, il va s'introduire. J'ai demandé à ce qu'il m'envoie son profil puisque je ne l'ai pas trop. Il est le directeur de Biogaz Bénin. Et donc, il est spécialiste en tout ce qui concerne les transformations des déchets organiques en énergie. Et donc, comme vous le voyez bien, le thème de notre side event, c'est production d'énergie verte en vue de la conservation des mangroves et de l'augmentation des revenus de toutes les activités génératrices de revenus des femmes qui sont autour des mangroves. Monsieur Nyanga Enoch, merci de prendre le micro, merci d'ouvrir le micro, et vous présenter, vous nous dire un peu l'importance autour des mangroves. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire en sorte de produire de l'énergie verte et permettre à ce que ces femmes-là ne détruisent plus l'environnement. Monsieur Nyanga, vous avez le micro. Monsieur Nyanga est avec nous. Oui, bonsoir à tout le monde. D'accord, bonsoir. OK, et ce que je veux ajouter à la présentation de Monsieur Sow, c'est que quand nous nous retrouvons dans ce milieu-là, le problème le plus criant que vivent les dames, c'est le manque de sources alternatives d'énergie. Et c'est ça qui justifie de pas les activités qu'elles jettent tout leur dévolu sur ce qui est la première ressource et la biomasse qui est à leur niveau. Ça, c'est ce que nous avons constaté et de par nos travaux de terrain avec ces femmes-là. Mais derrière, comme M. Sow l'a dit, et ces mangroves sont beaucoup plus des habitats pour la reproduction des poissons, mais aussi de grands poumons d'émissions, de séquestration de CO2, mais aussi d'émissions d'oxygène dont nous avons besoin sur cette planète. Et des travaux de proximité avec ces femmes-là nous ont fait aussi comprendre que dans ces milieux-là, des activités fort génératrices de déchets sont développées. Parce que et quand on parle des mangroves, il faut voir les poissons attrapés, séchés, fumés, vendus. Donc, il y a beaucoup de viscères de poissons qui sont rejetés dans ce milieu. C'est aussi des milieux où les gens vont déféquer dans la nature parce que c'est juste un lieu où ils vont travailler. Ce n'est pas un milieu de vie où les conditions hygiéniques sont mises. Mais l'autre chose aussi, qu'on veut ou pas, quand on regarde dans la zone du sud Bénin, les mangroves aujourd'hui ont commencé par être de plus en plus des sites et de rejet des déchets ménagers. Donc, l'analyse a montré, par exemple, en 2014, qu'une bonne partie des unités de transformation et de fruits, comme l'ananas, sont installées dans ces milieux-là où une grande quantité des épluchures, par exemple, de manioc, les couronnes, les épluchures d'ananas sont rejetées dans ce site où on a et ces mangroves-là. Alors, une fois polluées, ça devient des milieux invivables. Alors, les efforts conduits avec ces femmes-là se retrouvent pratiquement au niveau de quatre points. Et c'est de là que ressortent les solutions et que nous avons commencé par développer tout doucement avec elles. Le premier point, c'est d'abord d'arriver à
développer des systèmes d'énergie renouvelable à partir des déchets qu'elles arrivent à injecter dans ces milieux-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on prend par exemple les déchets ménagers biodégradables, dans ces milieux, nous avons en bonne place la défécation, mais aussi les déchets des animaux. Ça veut dire que quand on crée une plateforme qui est capable de pouvoir recycler ces déchets-là qu'elles jettent dans ces milieux, facilement, on peut arriver à produire une énergie alternative qui est le biogaz et qui va leur permettre de laisser ces mangroves-là et continuer leur activité de production de sel, par exemple. Aussi, c'est des milieux qu'on veut ou pas où la chaleur est intense. Et de la même manière, la putréfaction, la décomposition de ces déchets-là vraiment rend nauséabond et ces milieux, mais elles n'ont pas de choix parce que c'est leur lieu de travail. Puis c'est là qu'elles vont racler le sable et déshydrater et l'eau obtenue pour avoir le sel. Donc, ce n'est pas du tout souvent un cadre de vie aussi sain qu'on aurait recommandé dans une fabrique, par exemple, de production de sel et comme on l'aurait imaginé. Donc, toujours est-il qu'il faut non seulement viser les déchets qu'elles émettent dans ces milieux-là, parce qu'en dépit du fait qu'elles coupent et contribuent fortement à l'émission de CO2 dans la nature, et elles génèrent aussi assez de déchets qui renforcent l'effet de cette pollution-là. Donc, c'est qu'il faut créer un cadre de vie, un cadre de travail hygiénique, ou par exemple, les toilettes peuvent être connectées directement à ces biodigesteurs, mais les déchets qui sont générés dans les villages qui environnent ces mangroves-là peuvent être drainés, ces déchets biodégradables peuvent être drainés dans un biodigesteur installé sur le site de transformation, et ça leur permet de pouvoir générer de l'énergie. Alors, la troisième solution qu'on a trouvée, c'est que ces femmes se donnent à ces activités parce que, en réalité, ça leur procure et une valeur ajoutée, ça leur procure de l'argent. Et si on arrive à leur trouver une solution à côté de la production de sel qui permet de générer des ressources, c'est que elles vont, d'une manière ou d'une autre, et réduire l'impact de leurs activités sur ces mangroves-là. Et parmi les solutions qu'on a trouvées avec elles, c'est d'abord la commercialisation de l'engrais qui est issu de la digestion de ces déchets-là. Parce que une fois que vous mettez ces déchets dans le biodigesteur, vous arrivez à extraire le gaz, le biogaz, pour pouvoir tourner les unités de production de sel. Dans les zones marécageuses là, c'est que l'engrais qui sort, vous pouvez le vendre d'abord aux agriculteurs qui sont pour la majorité des maraîchers qui sont dans ces zones côtières. Mais à côté, l'engrais qui sort aussi peut aujourd'hui permettre de produire du fourrage qui contribue vraiment à l'alimentation du bétail, de tous les animaux domestiques, etc. Donc, voilà un peu. Et le quatrième point, c'était beaucoup plus d'arriver et d'amener ces unités à être autonomes. Par exemple, tant qu'elles ont une activité qui soit proche de ces mangroves-là, elles seront toujours tentées de développer des activités destructives. Donc, par exemple, nous avons identifié que sur cette plateforme-là, on doit pouvoir avoir de l'éclairage. On doit pouvoir avoir des unités de pompage d'eau pour qu'elles puissent tourner leurs unités avec. Mais la discussion menée avec les responsables de ce groupement nous ont permis de comprendre qu'une fois qu'on les sensibilise, elles sont d'accord pour protéger ces mangroves. Et si les solutions alternatives sont proposées et mises à leur disposition, c'est que le temps dégagé, le temps qu'elles gagnent, permet désormais de pouvoir développer des boutures de ces mangroves-là et de les replanter. Donc, en développant les solutions de biogaz avec elles, c'est que derrière, on leur permet de gagner en temps pour pouvoir arriver à replanter les surfaces de mangroves détruites. Donc, voilà un peu les expériences conduites avec les
femmes marieuses, les femmes productrices de sel iodé dans le sud Bénin. Merci bien, monsieur Nyanga Enoch, pour vraiment ces propos aussi très enrichissants que vous nous envoyez pour, je pense, accompagner et l'effet destructeur de ces espèces biologiques très importantes pour notre écosystème. Et ça, et vos propos rejoignent très bien la prise de parole de monsieur Sow du Sénégal. Et nous avons donné la parole à, comment on appelle, à monsieur Vinto. Vinto, please, could you translate? Because there is somebody online, we ask to translate, please. Yeah, just a brief also face on the translation. Now we are like presenting case studies on mangrove management and mangrove ecosystem restoration. So the speakers are presenting their experience, also the national state and their like local level about the management of mangrove ecosystem. So Mr. Nyanga has presented some techniques and some also experiences of mangrove ecosystem management in Gabon, if I understand right. So correct me if I'm wrong. And he explained how it's important to take care about the mangrove ecosystem and how like the different strategies line can be addressed also to like preserve the different levels of the mangrove environment. That's it. I just can confirm that maybe we will give the recording of the event available for participants, and also brief summary in English about the intervention. Thank you. Okay, Mr. Komana Pevito, I just want to add some thinking a part of what you translate to say that the importance of mangrove is a very, very important thing. So we remarked that the people who live around the mangrove, so they don't have energy, so they destroy it in order to cook and to do their activities. So now, Mr. Nyanga, who is a specialist in a sustainable energy, told us that there is today just one attitude we can have is to put together all organic waste, the waste, all organic waste, in order to build through the biodigester biogas, in order to help them avoid the cutting and destroy the mangrove. Thank you, Mr. Vinto, for your intervention. I mean, if the English who has, if they want to ask something, they can write in the message. So, Monsieur Azizet du Gabon, vous venez de vous rejoindre à nous. On avait souhaité, avant qu'on ne passe le micro à Monsieur, comment on appelle, Nyanga, c'est vrai que c'est venu. Vous étiez en ligne, certainement que si vous avez pris en marche. Monsieur Sow, qui est le spécialiste des mangroves du Sénégal, il y est dedans, il est même en mission dans la région de Casamance au Sénégal. Il nous a parlé un peu de tout ce qui concerne la biodiversité mangrove, leur capacité à absorber le gaz carbonique et tout. Vous êtes directeur de la protection de la nature au Gabon et vous êtes sachant aussi en la matière. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter d'intéressant en ce qui concerne la biodiversité mangrove? Qu'est-ce qu'elle représente chez vous au Gabon et dans l'Afrique centrale? C'est quoi les mangroves et quelles sont les politiques que l'État met en œuvre afin de pouvoir protéger les mangroves? Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des solutions alternatives pour ne pas que ces espèces et vraiment vachement importantes soient conservées? Monsieur Azizet. Allô? Franchement, le mec, il a un problème technique.
Yeah, I saw Mr. Aziz connected, but I think, the F space N A the E space P A F space L E space E F O S F O S. Okay, Mr. Vinto, if you have some question for the expert, Mr. So, le Monsieur So du Sénégal et Monsieur Nyanga du Bénin, est-ce que tu as des questions pour les deux, puisque nous sommes copains, nous sommes les co-modérateurs. Yeah, let's go before have Mr. Ajizé. Let's go. So we'll make in English and also in French. So in English. Which are the challenges that you encounter in community engagement for mangrove ecosystem interventions? Estelle D I R E space. If you have a question for the Mr. So Senegal, Mr. So and Mr. Nyanga coming from Benin. You. Yeah, sure. I was finishing just for a moment. I was hearing some noise, but I was saying that which is the role of communities and which are the challenges in engaging communities in your experience. So, qual est l'importance pour de l'engagement de la communauté? La difficulté que vous rencontrez en l'engagement, la protection de les mangroves de la part de la communauté. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. Je pense que c'est bien résumé. La question revient d'abord à Monsieur Sou du Sénégal. Monsieur, comment on appelle Vinto Domenico, qui est mon co-modérateur de l'Italie, voudrait savoir, dans ces études que vous menez sur le terrain, dans toute l'implémentation, l'exécution de ces projets que vous mettez sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Monsieur Sou, vous avez la parole. On donne la parole. Monsieur Nyanga, vous qui êtes aussi acteur du terrain, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Monsieur Nyanga. Monsieur Nyanga est là? Oui, Monsieur Charles. Oui. Bon, les difficultés majeures sont d'abord liées au fait que dans ce milieu-là, les femmes n'ont pas d'autres alternatives. Et l'autre chose aussi, c'est le manque d'informations. Elles n'ont pas connaissance de ce qu'il est possible que leur activité ait eu aussi grand impact, même si elles ont l'habitude d'observer et certains effets, surtout l'effet qu'elles connaissent, c'est la chaleur, l'augmentation de la chaleur. Donc, les difficultés que nous avons rencontrées lors de nos communications avec elles, c'est d'abord des sources d'énergie alternative. Puisque pour la majorité, elles sont nées autour des mangroves, elles ont vu leurs parents, leur mère couper et les réserves pour pouvoir transformer l'eau salée en celle qu'elles vendent. Donc, elles n'ont pas connaissance d'autres alternatives. Donc, c'est d'abord la capacité d'échanger avec elles, de les sensibiliser pour les amener à comprendre l'impact de leur activité sur la nature. Et aussi, c'est de développer avec elles des solutions de recherche d'une autre source d'énergie. C'est ce qui est capital. Et après ça, arriver à replanter les surfaces détruites avec elles. Ça, c'est les difficultés majeures que nous avons connues lors de nos échanges, lors de nos travaux avec cette femme-là, dans ce milieu où il y a les mangroves et dans le sud Bénin. Là, j'ai une question après vos propos liminaires. Est-ce qu'elles sont résistantes? Est-ce qu'il leur arrive d'être résistants, de ne pas vouloir changer de donner, de persister à la destruction des mangroves? Est-ce que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'informations assez de l'importance des mangroves? Est-ce qu'elles résistent à changer de manière de faire sur le terrain?
Allô? Allô? Oui, qui est en ligne? Oui, est-ce que les autres participants peuvent intervenir aussi? Mais bien sûr, on va vous passer la parole. On a déjà vu votre main. On va vous passer la parole. Okay, Monsieur Josias. Monsieur Josias. Laissez Monsieur Nyanga prendre la parole, vous allez intervenir. Monsieur Nyanga, allez-y. Oui, pouvez-vous rappeler la question? Je disais que, est-ce que ces femmes-là, est-ce qu'elles résistent au changement? Parce qu'elles sont déjà habituées, comme vous l'avez dit, de génération en génération, elles ont vu leurs parents détruire les mangroves. Est-ce que quand les experts comme vous viennent sur le terrain pour les recherches et pour faire en sorte qu'ils puissent changer de manière de faire les choses, est-ce qu'il y a des formes de résistance? Bon, principalement, je peux dire qu'il n'y a pas de résistance. Parce que quand vous amenez la technologie, quand vous l'expliquez correctement, qu'elles comprennent oui. ce que vous attendez d'elles, elles adoptent. Elles adoptent. Elles sont curieuses de voir si ce que vous apportez peut faire l'équivalence de ce qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Elles ont l'habitude de faire. Donc, il y a déjà à travers par exemple, d'autres programmes. Que le plus d'autres alternatives qui leur ont été proposées. Mais la question fondamentale, elle va vous parler de la durabilité. Donc, c'est là où ça revient à chacun de nous qui travaillons avec eux dans ces milieux, de nous inspirer des problèmes, de nous inspirer des solutions, des opportunités qui existent autour d'elles immédiatement pour alternative. Par exemple, nous avons dit qu'il y a des défécations, par exemple, à l'air libre qui se font dans le milieu. Ça veut dire qu'il y a les digestions humaines qu'on peut canaliser dans les lieux digestifs, dans les toilettes, et produire maintenant du gaz pour pouvoir faire du sel. Quand on n'a pas d'autres solutions, ou par exemple, elles doivent aller payer les noix de palme avant d'acquérir leur feu. C'est qu'on leur sort de leur milieu et on les amène à faire une dépense supplémentaire. C'est qu'ils vont simplement couper. Vous voyez d'où ça sort leur niveau de réticence. Donc, il faut qu'on s'inspire dans chacun de ces pays où les mangroves sont, de ce que les gens vivent localement, de ce qui génère des opportunités qui existent pour leur apporter des solutions durables. Donc, les expériences que nous avons conduites dans nos échanges avec elles, elles n'ont pas été réticentes parce qu'elles ont compris que c'est facile pour eux d'aller prendre leur déchet dans leur quotidien. Voilà. Très bien. Merci bien pour votre input. Vinto, j'espère que tu as bien compris les réponses de M. Nyanga. Allô, oui, Vinto? Très bon, et merci beaucoup pour la réponse. Très bien. Oui, d'accord, merci. D'accord. Bon, maintenant, il y a, avant de passer la parole à Monsieur Josias qui s'impatiente, on va passer le micro à un collègue à nous. Il est membre du CSO panel UNCCD. Et Petit Touré, il est président d'une grande plateforme de la société civile en Guinée. Nous allons lui passer la parole pour nous dire un peu l'expérience des mangroves au niveau de la Guinée. C'est vrai que c'est un battant dans tout ce qui concerne les reboisements, la restauration de couverture végétale en Guinée. Nous allons lui passer la parole parce que depuis le début, il était avec nous, qu'il nous dise un peu ce qu'il a retenu et l'expérience des mangroves en Guinée, s'il a de l'expérience, qu'il nous en parle un peu. Monsieur Petit Touré, vous avez le micro. Avant qu'on ne passe la parole à Monsieur Josias pour les questions, c'est dans 2 minutes. Petit Touré est là? Petit Touré. Bon, s'il n'est pas là, Monsieur Josias, est-ce que Monsieur Josias est en ligne? Monsieur Josias. Oui, je suis en ligne. Oui, vraiment. Bienvenue. Posez votre question. Ou si c'était des commentaires, des apports, allez-y, Monsieur Josias. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Charles. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions des deux experts, à savoir M. So et M. Nyanga, que je connais très bien ici au Bénin.
D'accord. D'accord. Je veux partager ma petite expérience par rapport à ce que je connais du terrain au Bénin. D'accord. Déjà, il faut noter que dans la zone de mangrove, il y a pratiquement au Bénin ici, il y a trois types de grandes pressions. Bon, en fonction des activités qui sont menées, nous avons la pression liée aux pêcheurs. Nous avons la pression qui est liée à aux productrices de sel, c'est-à-dire les salicultrices. Et nous avons maintenant les pressions qui sont liées aux femmes fumeuses de poissons. De poissons, très bien. En plus de ça, oui, les femmes qui fument le poisson. Et pour ce que je sais, il y a beaucoup de technologies qui ont été développées, surtout dans la zone, parce que actuellement au Bénin, les zones de mangrove sont, ont un nouveau statut de conservation à travers la mise en place de deux aires marines protégées qui sont effectives depuis janvier 2022. Par le passé, il y a différentes organisations qui ont développé des technologies, notamment la production de sel solaire. Mais ça n'a pas pris parce que il y a eu des réticences. Il y a eu des réticences, notamment d'ordre culturel. Les femmes ne conçoivent pas, elles n'acceptent pas abandonner cette technologie-là qu'elles ont reçu de leurs anciens parents. Comme quoi, le bois de mangrove, le bois de palétuvier, quand on prépare du sel avec ce bois-là, c'est que le sel a un goût particulier. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le sel a un goût particulier. Donc, abandonner la production du sel et avec le bois de mangrove, c'est un peu difficile. C'est une très bonne problématique. La deuxième chose, c'est que les femmes qui fument du poisson, nous sommes allés plusieurs fois vers ces femmes-là. Et on vous dit que quand on fume le poisson avec le bois de mangrove, il y a une coloration que le poisson prend. Et c'est ça qui attire les clients. Donc, abandonner la technologie de... Oui, ça qui attire. Vous entendez beaucoup de choses quand vous y allez. Et on leur demande, bon, est-ce que vous avez tenté d'utiliser un autre bois ou bien une autre source d'énergie pour le faire? Et il y a eu une baisse de vente. Bon, mais quand vous tentez de les convaincre, forcément, et on dit, le voleur ne vient jamais quand il sait que tout le monde est là, c'est quand il sait que les gens dorment qui vient commettre son forfait. Donc, quand vous tentez de les convaincre, vous les sensibiliser, il y en a qui prennent. C'est pas dit que c'est tout le monde, il y en a qui prennent. Mais la conséquence, ce qu'on voit, le constat après, c'est que au même moment, vous en avez qui ont dit oui, on a accepté, on a fait. Si quand ils adoptent les nouvelles technologies que vous avez apportées, notamment la technologie du sel solaire, quelques temps après, elles abandonnent et elles repartent à leurs anciennes pratiques. Je voulais poser, de ces expériences que j'ai partagées, je voulais comprendre un peu au Sénégal parce que ce à quoi nous sommes en train d'aller maintenant. Monsieur Josias, vous priez, ce que vous dites est tellement intéressant. Et permettez-moi de sais déjà vous partir, permettez-moi de faire la transition parce qu'il y a une question qui me taraude l'esprit déjà. Pour avoir quitté la Gambie en entrant par le Sénégal, par la voie des terres, quand vous rentrez à Kaolack, la production du sel se fait à ciel ouvert comme ça. Je ne sais pas comment ils s'arrangent à faire, mais c'est des canalisations, c'est des bancs d'eau qu'on fait, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons au Bénin. Alors, M. Moma est en ligne. Vous gardez votre calme et on va venir à vous. Juste pour ne pas perdre le fil, demandez à M. Moma s'il est en ligne, parce que tout à l'heure j'avais essayé de le joindre, il est expert en la matière au Sénégal. Et la production du sel chez eux, ce n'est pas la même seule chose comme chez nous. Alors, qu'ils nous disent, parce que ce que vous avez sorti tout à l'heure est tellement intéressant.
Comment rallier nos populations qui sont déjà habituées à faire leur production de manière traditionnelle? Comment faire en sorte qu'on puisse les accompagner en limitant la destruction de notre écosystème? Parce qu'elles disent que quand on fait avec les mangroves, ça a un goût spécial. Mais quand on change, ça ne l'est plus. Oui. Alors, M. Moma, s'il est en ligne, ça me serait vraiment intéressant qu'il me dise un peu. Est-ce qu'il a entendu ces problématiques-là? M. Moma, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Voilà. Je suis exactement. Là. Comme je vous disais, j'avais des soucis d'Internet, mais c'est revenu. Quoi. Allô? Oui, on vous entend, hein, monsieur Moma. Vous entendez, d'accord, ok. Voilà, donc Charles, ce que je voulais dire, c'est que souvent dans ces projets d'activité génératrice de revenus, il y a deux options. Il y a une option où on complète des activités déjà entreprises par les femmes, et il y a d'autres activités qu'on appelle les activités d'innovation. Et ce type d'activité de production solaire en fait partie. Nous, actuellement, en Casamance, on est en train de promouvoir le sel solaire sur bâche parce qu'on a trouvé des femmes en train de se faire couper du bois pour pouvoir bouillir, etc., tu vois, tout le paquet traditionnel. Maintenant, nous, on fait de l'aménagement bien structuré avec des bassins d'amener et un système de pompage et on a du sel par évaporation simple. Mais ce qu'il faut là-bas, c'est qu'il faut beaucoup de patience. Ce n'est pas en première année de production qu'on aura l'adhésion de toutes les femmes. Ce que vous avez vu à Kaolack, au Sénégal, ça remonte aux années 50. Et ça, c'est une exploitation industrielle. Ouais. Donc, le maître mot dans une activité dite d'innovation, c'est de laisser beaucoup de temps au temps. D'habitude, vous avez peut-être 10% des femmes qui adhèrent. Ensuite, 5 ans après, peut-être 20%, 30%. Il faut le calculer sur une génération. C'est pourquoi souvent, le travail des ONG est important. Il ne faut pas qu'un programme de 4 ans, de 5 ans, ils vont changer la donne. Non. Il faut vraiment avoir des plans dits stratégiques qui sont à long terme, entre 15 ans et 25 ans, donc à l'échelle d'une génération. Ce que vous avez vu au niveau du Sénégal, ça, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, de plus de 50 ans, je puis vous dire. Donc, c'est accompagné d'un système d'iodation. Vous avez des bateaux qui viennent jusque là-bas pour prendre le sel et le distribuer au niveau de la sous-région. Donc, tout ça, ce n'est pas une chose qui s'est développée de manière très simple. Mais j'ai bien voulu que vous me répondiez à une préoccupation. Emma Lair, je ne sais pas si c'est une préoccupation et endogène ou exogène. Quand les femmes disent, quand on ne prépare pas avec les bois de mangrove, on n'a pas le goût qu'il faut pour satisfaire nos clients. Et elles ont réticence à ne pas lâcher prise l'exploitation des mangroves. Quand vous entendez des choses comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Maintenant, c'est-à-dire, c'est là où je dis que la recherche, la transformation, ils ont un défi là-bas. Parce qu'elles, en fait, vous ne les entendez pas bien, mais elles ont posé leurs critères. Elles n'ont pas posé un critère sur la capacité calorifique. Elles ont posé un critère sur les aspects du goût. Donc, il faut qu'on leur cherche quelque chose qui cuit bien et qui rend le produit doré. Et ça, c'est un challenge au niveau de la transformation alimentaire. Pourquoi aujourd'hui, sur l'anacard, on a un produit tout blanc, un produit semi-cramé, mais tout ça est venu en fait, de l'étude de marché. C'est le marché qui veut ça. C'est un défi qui est lancé à la technologie. Très bien. Voilà. Je pense que... Il faut que la technologie s'adapte. Merci pour votre input. On va revenir rapidement à M. Josias qui était en ligne avant de passer le micro à Monsieur Touré. Est-ce que M. Josias est là? Oui, je suis là. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai voulu faire rapidement la transition avant de revenir à vous. Oui, j'ai bien compris. C'est vraiment une inquiétude parce que malgré
Au Bénin, la question des mangroves, la question liée à la conservation des mangroves, ça date quand même. Hein. Mais avec toutes les technologies qui ont été apportées, et M. Soa parlait tout à l'heure de la technologie solaire. Oui, la technologie solaire a été expérimentée également au Bénin. Mais comme je l'ai dit, avec le temps, les femmes finissent par abandonner. M. Soa parlait de patience. Et aujourd'hui, vous voyez les conditions économiques. Est-ce que cette population a toujours cette patience-là d'attendre? Quand vous faites la cuisson avec du bois, quand on compare ça avec la production à travers le soleil, est-ce que ce temps-là, cette population, ce temps d'attente, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu expliquer, c'est dit, bon, quand vous êtes là, elle vous écoute, mais avec le temps, la technologie est simplement abandonnée et repart à leur production très traditionnelle. Un autre aspect que je voulais partager au Bénin ici, c'est le fait que les populations riveraines, quand vous faites les campagnes de reboisement, elles vont retirer les propagules, comme quoi les mangroves sont source de moustiques. Donc, vous voulez mettre encore des mangroves, ça va grandir, c'est des moustiques. Donc, vous voyez un peu les problèmes que nous avons. Ça crée des échecs des campagnes de reboisement. Donc, vous reboisez aujourd'hui, mais quand vous revenez après, vous voyez qu'on a tout enlevé. Parce que comme quoi, c'est source de moustiques. Donc, on a tellement de soucis qu'aujourd'hui, on se demande, nous sommes en train d'aller... Oui. Merci beaucoup. On va certainement vous garder votre qualité, votre truc d'écoute. On va revenir à vous. Merci beaucoup. Vinto, could you translate just some minutes, please? Could you translate? Yeah, actually, hello, I was following a discussion. Yeah. I was like letting respond. I think that the better thing is not to translate, but to let the discussion goes in. So I will translate the part. So we can make a summary then at the end. Because now the interaction is very interesting. Very interesting. Could you make the summary? The summary, just a few words. Yeah, actually, the discussion was about. The idea of again some question regarding the management of mangroves actually the speaker responded to the question of Mr. Juja Madugocha actually I don't want to translate like the discussion because it was very pertinent to the case study. So it's a bit difficult for me to do that. I will just back and I see. I mean, Vinto, this is our small step. By God's grace, we will have the minutes in order. Another sad event, we will have minutes in order to have a opportunity to have simultaneous translation in order to help all of us to understand what we are telling. The debate is so interesting, and if it's possible after our side event, in order to see if it's possible to translate all this in English, and we will publish it. We will see it, Mr. Vinto, after this. Alors, nous allons revenir rapidement à Thank you, Vinto. Et nous allons revenir à, comme on appelle, à Peggy Touré, qui était déjà là, on l'a interviewé. Il est le président d'une organisation de la société civile guinéenne. Et en Guinée, qui nous dise un peu de tout ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a partagé, parce que c'est un champion en Guinée en matière de reboisement. Il a même eu un prix au niveau de la COP26 à Glasgow concernant ses activités en Guinée. Alors, qu'il nous dise, en tant que partenaire, en tant que membre du CSO panel UNCCD, on s'est croisé à Abidjan, qui nous disait un peu les mangroves au niveau, spécifiquement les mangroves en Guinée. Est-ce qu'il en sait quelque chose? Petit Touré, vous avez le you have the floor. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'assise, bonjour à tous les participants. D'abord, je tiens à remercier l'initiateur,
de cette vidéoconférence. Je suis M. Mamadi Aminata Touré, président de l'organisation Community Initiative for Peace and Development, IPAD International, en Guinée. Voilà, je tiens vraiment à remercier la thématique dont vous êtes en train de débattre ici, les mangroves. Mm-hmm. Avant-hier, je suis allé voir Madame la ministre de la pêche et de l'aquaculture. Mm-hmm. Madame, il est temps d'agir. Mm-hmm. Les poissons se font rares. Mm-hmm. L'économie bleue est menacée. Mm-hmm. Les mangroves sont menacées. Mm-hmm. Aujourd'hui, les gens font des constructions anarchiques au niveau de la République de Guinée. Et je ne sais pas mm-hmm. si dans les autres pays, ça se passe comme ça. Tout mm-hmm. le monde veut aller sur les mangroves, mettre son petit mm-hmm. château, sa construction sur les mangroves, et bénéficier en fait de l'air pur, ou bien vers la mer. Aujourd'hui, c'est un combat pour moi d'en parler. Nous avons mis vraiment des lobbies pour que les reboisements soient effectifs. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Très bien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un lobby, comme nous l'avons fait déjà. On était les premiers ONG à ouvrir les yeux de cette jeunesse guinéenne. C'est quoi le climat? Pourquoi le réchauffement climatique? Et bien avant la COP 21 de Paris en 2015, on est sorti dans la rue. On m'a dit, toute la presse a dit que je suis devenu fou. Que oh, le gars là, le jeune, il est devenu fou. Ce n'est pas la peine. En 2015, on a commencé à alerter. Parce que la réunion s'est tenue à Paris en 2015 pour la COP 21. La Guinée, ou bien s'il faut le dire, l'Afrique n'était pas, ne prenait pas en compte ce dérèglement climatique-là. Quand j'ai pris la pancarte, je suis sorti de chez moi, marcher jusqu'à la présidence devant une seule pancarte. On dit, oh, il a perdu un cap, il est devenu fou, il faut le sauver. Et l'enfant n'en comprend plus rien. C'est parce qu'on avait la passion d'informer les décideurs qu'il est temps. Le réchauffement climatique bat son plein. La sécheresse avance à la vitesse de la lumière. Les mangroves sont menacées. Nos forêts sont agressées. Vous dites, on dit partout, la Guinée est le château de l'Afrique. Mais où est son climat? Est-ce que son climat bat son record? Est-ce que son climat n'est pas malade? Chers décideurs, il est temps d'agir. Parce que si nous ne réagissons pas, la nature risque de réagir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de le président Alpha Condé déchu, on a essayé de mobiliser toute la société civile, toutes les ONG. Je suis rentré dans toutes les familles pour les sortir dans la rue. Aller mobiliser même des anciens ministres pour sortir avec moi. J'ai les images, tout ce que je dis, j'ai les preuves à vous envoyer. Pour sortir dans la rue, pour que les décideurs puissent nous entendre. Avant, il n'y avait même pas un programme qui parle de éducation civique dans le plan de l'éducation. Il faut insérer ça. On a mis sur les pancartes plein de choses. Beaucoup de messages. Il faut que l'État puisse restaurer un volet dans le cursus des jeunes pour parler de l'environnement. Parce que moi, l'école où nous avons fréquenté, dès la bas âge, on nous explique c'est quoi l'environnement. Et quand on fait une évaluation et qu'on n'a pas la moyenne, on nous envoyait dans nos petits jardins pour nous punir, pour arroser. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Il faut inculquer les enfants à bas âge la notion de l'environnement. Et on a mis en place un programme qui va prendre toutes les couches en termes de la sauvegarde de l'environnement. Monsieur le Président Alpha Condé, aujourd'hui, vous êtes là. Mais il faut savoir immortaliser votre moment, votre existence. C'est de mettre des moyens financiers sur la campagne de reboisement. Et c'est là que nous avons mobilisé 17 milliards qui nous fait 480 millions de francs CFA. On a mobilisé pour mettre à la disposition de l'État. Pour que les campagnes soient faites, il ne s'agit pas de payer les plans pour planter, mais le suivi encore plus dépensif que le reboisement. J'étais très clair.
quand la télévision nationale m'a appelé pour être sur les yeux des projecteurs, pour en parler sur la stratégie, je leur ai dit ceci. Les fonds ont été déjà déboursés. S'il vous plaît, cher cadre, n'épatez pas créer des ONG fantômes, étant donné que c'est vous-même qui êtes en bas, pour pouvoir léguer les fonds. Donnez à ceux-là qui connaissent la chose. Donnez à ceux-là qui sont sur le terrain, que vous connaissez. Mais hélas, il y a bien 17 milliards de francs guinéens qui me fait 480 millions de francs. Pour la première fois en Afrique, en Afrique régionale. Petit Touré. Petit Touré, merci pour la jeunesse de vos actions sur le terrain. C'est pertinent ce que vous faites. Dites-nous de manière résumée, en ce qui concerne les mangroves, surtout les mangroves, parce qu'on sait qu'au-delà des forêts qui sont des capteurs de gaz carbonique, on vient de nous démontrer aujourd'hui aussi, parce qu'on ne le savait pas, que les mangroves ont aussi des grandes capacités de captation et tous ces gaz qu'elles captent là peuvent aller s'enterrer sous la terre pendant des générations. Et plus en est, elles nous permettent aussi de dégager de l'oxygène. Est-ce que vous, au niveau de vos activités en Guinée, que savez-vous, qu'avez-vous à nous dire par rapport à la préservation et à la conservation et à la restauration des mangroves? Avant-hier, très bien, très belle question. Je serai focus sur cet angle-là, sur les mangroves. C'est-à-dire que, avant-hier, j'étais avec Madame la ministre de la Pêche. Madame la ministre, vous êtes à un moment transitoire. Et si vous voulez marquer votre moment, il est temps de renforcer ou bien la mise en défense. La mangrove, cette année, serait reboisée avec les palétuviers. Et je vous ferai les images, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais fait en République de Guinée. C'est-à-dire le reboisement des mangroves. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadres. Au fait, je voulais ressortir quelque chose, mais je serai aussi bref. C'est pour vous dire que tous les patrons de la République de Guinée, ils ont des concessions auprès des mangroves. Donc, c'était un message pour moi. C'était un moment pour moi dans le reboisement que nous sommes en train de mettre en place. C'est que la communication soit effective auprès des éditeurs et de la population. De laisser les zones, les mangroves. Les mangroves seront protégées cette fois-ci. Imaginez-vous, le monsieur a dit tout à l'heure que les mangroves couvrent 3000 espèces de poissons. Et c'est ce qui est la vérité. Mais j'ai dit à Madame la ministre, demandez les pêcheurs. Pour pêcher le thon, il faut aller en haute mer. Des fois même, ils sont obligés de traverser la zone de leur pays pour aller sur la côte Sénégal, Gambie, ainsi de suite. Mais les poissons se reproduisent en fait sur les mangroves. Il faut les protéger. C'est-à-dire maintenant des coins de dépotoir, des chassés. Quand vous partez en mer, vous allez voir beaucoup de poissons qui ont perdu la vie, qui ne vivent plus parce qu'ils se nourrissent des chassés. Donc cette fois-ci, ça ne s'est jamais fait au niveau de la Guinée. Un reboisement sur les mangroves, la mise en défense. C'est ce que je suis en train de restaurer. Merci, monsieur Petit Touré, pour votre témoignage poignant. Et je voudrais signaler au passage que vous aviez eu un prix lors de la COP26 à Glasgow par rapport à vos activités de reboisement. Vous le faites chaque année et vous êtes même déjà en train de préparer l'édition de cette année. Félicitations à vous. Merci pour cette belle transition et vous gardez la ligne parce qu'on n'a pas encore fini. Il nous reste pratiquement une dizaine de minutes. Alors, nous sommes en train de tendre vers le point d'orgue de notre entretien. De quoi il s'agit? Parce que c'est vrai que nous organisons les side events, mais à quoi ça sert? Parce que moi, j'ai toujours dit que les démarches thématiques, on en fait tellement que si nous ne nous aboutissons pas à quelque chose de pratique, qu'est-ce que je vais dire par là? Parce que la thématique de notre side event, il est pratiquement pratique. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons aider spécifiquement les femmes de Diegbadji. Diegbadji en fond, ça veut dire, je crois, le lieu où on fait le sel. Je crois, ceux qui comprennent bien le fond pourront m'aider. Diegbadji, ça dit que la source où on prend le sol, où on produit le sel. En fait, elles vivent à côté d'une zone de mangrove qu'elles ont l'habitude de détruire, comme on l'a toujours dit. Et ça, ce n'est pas bon pour l'écosystème, ce n'est pas bon pour la biodiversité. Ah, donc déjà, il y a le PNUD qui les a déjà aidés à pouvoir avoir des sources alternatives de production de sel. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui est authentique. C'est de faire en sorte qu'elles puissent, de toutes les déchets, parce que le moyen alternatif qui a été envoyé, je pense que c'est des gaz butane qui ont été montés dans un truc tout fait pour les éviter de détruire l'environnement. Mais aujourd'hui, sur place, nous voulons prendre tout ce qui est comme déchets organiques
et leur construire des biodigesteurs sur place. Donc, le point d'ordre de notre discussion, c'est de faire en sorte que, au-delà de cette discussion, qu'on puisse converger à la mobilisation de ressources pour la mise en place de ce projet pilote et pourquoi pas, après, pouvoir mettre en place un programme régional sur toute la côte. C'est-à-dire depuis l'Angola, en passant par, je crois, le Gabon, sur toute la côte, partout où il y a les mangroves, afin qu'on puisse avoir une synergie d'action pour pouvoir aller à la préservation, à la préservation, à la conservation et à la restauration des mangroves. Donc, je voudrais vraiment donner le micro à qui veut prendre la parole. Je vais commencer par monsieur, est-ce que monsieur Azizé est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Parce qu'il est en deux réunions. Est-ce que monsieur Azizé est avec nous? Monsieur Azizé est là? Alors, il est là en fait. Allô? Oui. Monsieur So, vous voulez intervenir rapidement? Voilà, parce qu'il y a mes amis qui m'attendent là, je les ai fait attendre. D'accord. Donc tout d'abord, te remercier personnellement pour cette initiative. Je vous en prie. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se bâtir. Et je voudrais juste vous dire que j'ai envoyé deux documents. D'accord. Qui sont très importants pour un point de départ pour bâtir des programmes cohérents sous-régionaux. Donc, il s'agit d'un protocole additif à la mangrove qui est fait sous le sceau de la Convention d'Abidjan. La Convention d'Abidjan, c'est l'une des plus vieilles conventions africaines. Donc, depuis 1981, qui promeut la coopération transfrontière entre les pays. Donc, vous avez presque plus de 20 pays, 22 pays, je crois, donc Mauritanie jusqu'à l'Angola, et qui est le gradient d'existence de la mangrove. Ce n'est pas ce seul protocole. Il y a un protocole aussi sur l'exploitation du gaz, du pétrole. Donc, voilà beaucoup de chantiers sous le sceau vraiment de la Convention d'Abidjan. Moi, je vous invite et vous encourage à aller voir. Il y a beaucoup de documents en ligne sur la conservation. Monsieur So, on va pas vous laisser partir sans vous demander quelque chose. Et ce que je vais vous demander avant de partir, c'est ceci. Parce qu'on va pas finir cette réunion là et nous lâcher. Un groupe WhatsApp sera créé parce que ce que nous voulons mettre en place, je vous l'ai déjà dit, la dynamique, c'est de faire en sorte qu'on puisse garder le cap, continuer les discussions. Et voir avec les bailleurs, parce qu'ils sont là, on ne sait où les trouver. Nous allons voir en sorte comment faire pour enrichir d'abord le draft de l'avant-projet qui est déjà conçu, le mettre en bloc et aller vers eux pour pouvoir avoir le financement pour commencer le projet pilote à Djebagi. Et quand ça va prendre, nous allons voir les bonnes pratiques seront ventilées et nous allons mettre en place le programme qui sera développé pratiquement sur toute la côte. Et votre expertise est demandée parce que vous travaillez pour l'instant avec l'AFD, vous avez travaillé avec beaucoup de bailleurs, et donc vous êtes demandé dans tout ce que nous allons faire, parce qu'on ne va pas faire une SAD 20 inutilement, il faudrait vraiment qu'on se revoie après, le groupe WhatsApp serait conçu, et je voudrais que vous me dites aujourd'hui, là, maintenant, parce que je sais que vous êtes beaucoup occupés, dites-nous qu'on n'est pas venu, on n'est pas venu travailler en l'air, et qu'il y a de l'espoir dans ce qui va se faire. Charles, il n'y a pas de souci. Vous avez mon engagement personnel. D'accord. Merci. Tout ce que je pourrais faire pour vous faciliter les connexions avec les bons guichets, moi, je le ferai vraiment à titre personnel. Voilà. D'accord. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est sur l'écosystème pour que vraiment les populations qui sont les plus reculées... Vous voyez, moi, je coordonne le projet à Dakar, mais moi, je n'hésite pas à défendre ici, au niveau des îles du Salon et à travers. Sur le terrain. Si j'avais le temps, je vous aurais mis en ligne et vous verrez le site de transformation des femmes qui est derrière moi. Wow, wonderful. Alors, pour finir, les deux documents dont vous avez parlé, est-ce que vous pouvez nous envoyer dans le forum, au niveau du message, les deux fichiers, s'il vous plaît? J'ai déjà envoyé. C'est bon, je viens de les voir. Donc, Monsieur So, vous étiez l'invité spécial à notre keynote, vraiment au nom de Monsieur Vinto, mon co-modélateur depuis l'Italie, mon partenaire de tous les jours, au nom de tous les experts, au nom de tous ceux qui sont en ligne, vraiment, on dit Gereguef. Merci, à bientôt. À bientôt, Gereguef.
Et donc, nous revenons rapidement. Binto, Binto, are you there? Binto, are you yeah, yeah. with me? Yeah, yeah. yeah. Okay. Mais, you can translate? Oui, oui. Okay. Now we have like, first of all, heard the passionate intervention of Mr. Petit Touré that reminds the importance of protecting the mangrove, but also the role of the youth and also the importance to follow up on the promises that the agreements that have been taken in Paris, in Abidjan and so on have been like addressed. And how that's important to like protect day by day the system and not just by word but also with action. And Mr. Nyanga, that I really thanks for the contribution and for the intervention has shared with us some documents that you can see into the chat. Also regarding chat, I share into the Zoom chat the link to the WhatsApp. So you can join there, s'il vous plaît. If you want, you can join the WhatsApp group. Basically that's it. I think that now we're gonna end the discussion. I don't know if Roger has his say. Before this, please, Binto, before this. Donc, Monsieur Binto disait qu'il était en train de traduire. Et donc, comme je disais à Monsieur So avant qu'il ne parte, il ne faudrait pas que nos discussions soient des discussions stériles. Donc, déjà, je travaille déjà avec Binto depuis quelques temps. Hein, ça fait déjà à chaque événement onusien, nous avons une conférence en ligne et nous avons un groupe WhatsApp qui est déjà créé. Donc, le lien est dans la partie message. Il suffit de cliquer là-dessus, ça vous envoie dans vous joindre et vous joignez directement au groupe. Donc, tout ce qui a été fait aujourd'hui, nous allons faire le rapport et nous allons voir dans quelle mesure un groupe thématique, un groupe de réflexion, un groupe d'écriture et les experts qui vont écrire pour parfaire déjà le projet pilote qui a été conçu, en vue de voir avec M. So, puisque lui, il est en connexion avec les partenaires, pour voir comment faire, pour mobiliser les ressources, pour accompagner les femmes de Diébagui. Et dès que ce projet pilote sera mis en œuvre, je pense que les bonnes pratiques seront ventilées et on aura des moyens pour écrire le programme. Donc, avant de finir, et Nyanga, est-ce que vous avez un dernier mot, M. Nyanga? Allô? Oui, bon, presque. Monsieur Nyanga, oui, je souhaite de remercier M. Vito et M. So et tous les autres participants pour leur contribution déjà à ce travail. Mais je peux rassurer tout le monde que Biogaz Bénin va aussi mettre ses expertises à contribution Très bien. À ce qu'ensemble, on développe une solution. Pourquoi pas une des premières accompagnées de l'expérience développée par le Sénégal, pour qu'on soit vraiment divulgué dans la sous-région pour la préservation de l'eau et de mangroves. Très bien, très bien. Merci vraiment, M. Nyanga, pour votre contribution. Je rappelle que M. Nyanga est le directeur général de la société Biogaz Bénin. C'est notre partenaire technique dans pratiquement tous nos projets déjà exécutés et les projets à venir. Merci, M. Nyanga. Je voudrais remercier aussi M. Josias pour sa contribution vraiment, vraiment pour ces problématiques de terrain. Je ne sais pas que ça me fait rire, mais c'est tellement intéressant. Monsieur Josias, merci beaucoup. Vous avez quelques mots à placer? Oui, et monsieur Charles, merci beaucoup. Et quand j'ai lu le titre du Side Event, je me posais un peu des questions. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions continuer les échanges parce que j'ai quelques expériences de terrain, surtout par rapport à Ouida. D'accord. Et où nous-mêmes, nous avons quelques initiatives et je pense que des échanges en dehors de ce side event vont nous permettre de mettre en conjugaison toutes les informations et les énergies pour produire quelque chose de qualité et pour le bien de nos mangroves, quoi. Donc, je serais ravi qu'on maintienne le contact et qu'on puisse continuer. Voilà. D'accord. Monsieur Josias, vous ne vous êtes pas introduit, hein. Vous n'êtes pas introduit. Vous êtes Josias. Moi, je suis Josias Madogotia, je suis environnementaliste de formation, je suis un acteur de terrain. Depuis environ une dizaine d'années, je suis dans les zones humides, tout le long de la côte du Bénin. Je suis dans la réserve de biosphère du Mono, dans la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé. Et bon, actuellement, elle est marine protégée.
Oui. Et vous travaillez pour qui? Vous avez une boîte, vous travaillez, voilà. Vous êtes consultant où? Non, je travaille à Nature Tropicale ONG. Très bien. Et je collabore avec une structure qu'on appelle également Action Plus à Ouida, qui travaille beaucoup sur les mangroves. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai assez de retours de terrain. Je fais partie de l'équipe nationale de dénombrement des oiseaux d'eau migrateurs. Alors, ça devient beaucoup. Donc, alors, est-ce que je peux dire, pour juste curiosité, comment avez-vous eu vent de notre Saïvin? Voilà, surtout ça. J'étais au Burkina pour Très rapidement. Voilà, j'étais au Burkina. C'est un Burkinabé qui m'a envoyé l'information. Et puis, j'ai participé. Merci bien. Est-ce que vous êtes déjà joué au groupe? Allez-y dans le passé message. Vous allez voir le lien, oui. Vous cliquez là-dessus, ça vous envoie déjà dans le groupe. Et là, on maintient le contact. Je le fais tout de suite. N'oubliez pas aussi de mettre vos numéros WhatsApp. Vos numéros WhatsApp, d'accord. S'il vous plaît. Ok, d'accord, j'ai compris. Vito, merci Vito, beaucoup, cher. Yeah, je vous en prie. Vito, Amine, this is a wonderful, a wonderful moment of exchange beside our thematic. And if you have something to tell in order to close it, please. No, I just want to tell that I'm very glad to have this side event together with my partner de tous les jours. Il m'appelle. Mon partenaire de tous les jours. Charles Bagoulon. This is my partner of tous les jours. And it's been a pleasure also to meet you all because wonderful person, wonderful people that are working relentlessly day by day on ecosystem protection. Yeah. And I kindly invite you all to stay connected and to join the chat. Yeah. And so we can continue the discussion after the event with energy, passion, and also collaboration that we are doing with the chat and with all of you. Yeah. I'm just glad and thank you all. Thank you, Charles, particularly. I mean, we are 80 persons. Could everybody open the camera in order to take a pic, please? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras tout le monde pour qu'on prenne juste. Nous sommes 8, hein, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des intervenants. Est-ce que vous pouvez tous ouvrir vos caméras pour qu'on prenne une photo de tac tac tac, bien, tac s'il vous plaît. Omar. Vito, take the pic. Très bien. Yeah. 1, 2, 3, voilà. Tac. Good. C'est fait. Voilà, merci. Alors, merci bien à tous. Hein. C'était un réel moment de partage. Et je pense qu'on en aura pour encore plein de cas à tout événement onusien sur les changements climatiques. Et nous avons eu la chance, ayant le statut consultatif des Nations Unies et ayant aussi, étant membre observateur des 3 conventions de Rio, nous sommes en connexion avec pratiquement tout ce qui concerne les changements climatiques dans le monde. Donc, bienvenue dans la sphère des discussions thématiques vraiment d'importance qui déboucheront forcément sur des choses pratiques sur le terrain. Ce n'est pas des discussions inutiles. Et donc, merci à tous et que Dieu nous garde. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Oui, ciao. Ciao. Ciao.